Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'OM Nice, 29e journée de Ligue 1. Match à suivre ce dimanche à 20h45 sur Prime Video, on va analyser ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le bon score. On commence par ma compo, je resterai sur le 4-3-3, Lopez au but, une défense Rongier, Saliba, Çalhanoğlu, Kolasinac. Au milieu de terrain, je mettrai Camara en sentinelle aux côtés de Guendouzi et Gerson. Pour le trio offensif, je mettrai Payet à gauche, mais qui serait très mobile, Hunder à droite, et Milik dans l'axe. De votre côté, vous en pensez quoi de cette compo? Est-ce que vous auriez fait d'autres choix que moi? Je vous attends en commentaire. On commence par l'analyse de l'OM. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le tirage au sort, la dynamique est redevenue intéressante après pas mal de matchs très décevants avec un gros manque de régularité sur 90 minutes. On vient d'enchaîner 3 victoires d'affilée, contre Bâle aller-retour et contre Brest le week-end dernier avec un match vraiment très abouti. On a pu reprendre la deuxième place, mais on le sait, elle est très précaire. Le match contre Nice aura des conséquences importantes sur la fin de saison. C'est déjà une première finale dans la course à la seconde place. Derrière, il y a Rennes qui peut nous dépasser si on perd, Strasbourg qui peut nous rattraper. Donc c'est vraiment un match plus qu'important. On va jouer pas mal de choses dimanche soir. Si on continue à proposer du jeu, si on arrive à garder notre assise défensive sur 90 minutes, on peut faire quelque chose. Après, faudra faire attention aux phases de transition, au réalisme niçois, parce qu'on a tous en mémoire l'élimination en coupe où on avait montré un niveau vraiment très très décevant. On a aussi en mémoire les événements du match aller qu'on avait dû rejouer. En gros, sur les 3 matchs qu'on a joué contre eux cette saison, en comptant le match interrompu, on ne les a jamais battus et le meilleur moment pour le faire c'est dimanche pour prendre une légère option sur la Ligue des Champions, même si le chemin sera encore long. On enchaîne sur Nice, les joueurs de Galtier sont dans une bonne dynamique, finaliste de Coupe de France, 3ème de Ligue 1 à égalité avec nous, ils ont récemment fait le gros coup en battant le PSG. Lors du dernier match, ils ont tenu face à Montpellier alors qu'ils étaient à 10 contre 11, même si les coups étaient pas bien joués en face du tout, hein. Leur dynamique est positive et leurs objectifs sont là, on sait que Galtier va avoir une approche tactique très maîtrisée et ce sera à Sampaoli de trouver une réponse tactique parce qu'on a souvent été malmené par les Niçois cette saison. Il y a quand même un absent de marque avec la suspension de Dante, joueur pilier de cette défense niçoise qui va beaucoup manquer aux Aiglons. Il reste sur le 4-4-2 qui fonctionne plutôt bien. Rosario, que je trouve toujours très intéressant. Thuram, très bon aussi. Kluivert, c'est pas toujours au top, mais on se souvient de l'avoir vu faire le match de sa vie contre nous en coupe. Le duo Dolberg-Guiri, ça fonctionne pas mal aussi. Je trouve que c'est vraiment une équipe bien équilibrée et j'ai aucun doute sur le fait que ce sera un match compliqué. Mais si on le gagne, ça peut changer le visage de notre fin de saison en battant un concurrent direct, et ça pour la confiance c'est le top. On passe aux joueurs à suivre, côté marseillais je vais dire Gerson qui ne cesse de monter en puissance ces derniers temps. Son entrée a été très réussie contre Bâle et honnêtement j'ai envie de le revoir parce que je suis sûr qu'il peut faire la différence contre une équipe niçoise qu'on doit absolument battre. Du côté de Nice, je vais citer comme à chaque fois Amine Gouiri qui apporte toujours énormément. On l'a vu cette saison contre nous notamment, il fait des différences, a droit à la finition. Faudra vraiment s'en méfier parce que si on arrive à le contenir, on va se faciliter pas mal de choses et s'éviter pas mal de frayeurs aussi. On enchaîne sur les pronos et je vais miser sur l'optimisme avec une victoire marseillaise 2-1. La dynamique m'a convaincu et l'OM doit gagner pour se mettre dans les meilleures conditions et distancer des concurrents directs. Nice a pas joué cette semaine, ils seront peut-être plus frais, mais le petit turnover a permis de reposer certains titulaires de notre côté. En tout cas, moi personnellement, je vois cette courte victoire qui nous permettrait de faire une très grosse opération comptable. On passe maintenant au bon pronostiqueur de Bâle OM. Bien joué à Flo BKH, Kamel Slama, Salix, Fabien Plichard, Fefou 13, Tidakini, Adrien Rongieras, LP du 30, Ronan Lecomte, Michel Valdocone, Stéphane Auguinzil, Marm, MRW, Dogo Fari YG, Lulu Siji, Jean-Christophe Plaza, Lubriano, Junior Mbomokati, Ariel NHK23, Mickey Alim, Estelle Madurera, Lev Nicto FR, Tobias Lariola, Dimitri Gotesque, Jess 13, Kevin Moine, Benjamin Gauthier, Reynaldo Pléiade, M16 iOS et Tony Lioni qui ont trouvé le bon score. N'oubliez pas de nous laisser votre pronostic pour ce OM Nice dans les commentaires pour être mentionné si vous trouvez le bon score. On arrive à la fin de cette analyse d'avant-match les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé le contenu. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord, les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour analyser ce Marseille-Nice en espérant très fort les 3 points. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.